n'en perds pas la face qui est Kouyaté, qui était le griot victime du roi Soundiata en 1236 et qui est mort en 1271. Voilà pourquoi je sens que je dis à l'époque du temps des rois Soundiata, nous les griots on ne fait pas de la commerce. Et puis nous les griots, on récolte pas, on fait rien. On se sort à la mission des rois. Et nous aussi, on était à l'époque aussi les prénomènes de la paix. Quand il y avait des problèmes entre les deux rois, c'est les griots qui vont se lever pour arranger les problèmes à l'époque. Malola mumena tonya barika dinte malola ate manula le tonya falo malola ate malula ja tonya barika dinte malola Sabuño ya bentana
Nitarakiba Imae Idumara Bikiba Ulube Poroyale Folangena Jalima Diko Kuyata Jaliko Idumala Francibi Kiwala Parini Miamite Bakeba Jaliko Ila Saramayale banke ko yatela ma korajolo manu ya jani biri jeli ya banke ko yatela konare sala ala jali beke la mo betati maningale ko Simbona na tuma mena, jeri tunte seneke. Simbona na tuma mena, jeri tunte jabolke mande. Maninga dingolu, sorabara ta kuo mena maninga la kuo nyata. Marihada maya etene, kadoke banna dimoti, kadoke fentan dimoti. Kado luke mori ke di moti kante luke jale ya ke la ala kili choma ala lo ala ti bala moma masanyuma ala ti bala moma aha kuna ere masati bala moma kie di anyele la oh. Hotel Fela Olu be bara le noma, alu be bara le noma fana. C'est la solidarité, olu be moya alu be. À l'époque aussi, ces rois avaient des flèches magiques qui sont guidées par des fétiches à l'époque de l'Empire Mandin. Car Sungata et Fakoli avaient plus de 4444 fétiches qui guidaient ces flèches magiques à l'époque en 1236 jusqu'en 1260. Ils avaient des pouvoirs magiques. Ils avaient même des sauvages magiques à l'époque, en 1236. Voilà pourquoi il a conquis et gouverné toute l'Empire Mandin, toute l'Afrique de l'Ouest, Sungata Keita, fils de Sogolo Ngata et de Narepa Magu. Sa maman s'appelle Sogolo. Son père s'appelait Narefamana Konfata Konadi. Il est devenu le roi incontestable à l'époque, en 1236. Son empire s'étendit au Sénégal à l'ouest, jusqu'au l'est de Niger. Et aussi, il a gouverné l'empire du Ghana. C'était le royaume mandingue. Moi, je suis mandingue. Il y en a qui sont des Bambara, d'autres sont des Wolof, d'autres sont des Soussou. Mais quant à nous, nous sommes des mandingues. Voilà pourquoi je suis devenu le griot mandingue.
aussi, à l'époque aussi, il n'y avait qu'un seul empire. C'était l'empire mandé. Parce qu'à l'époque, tous les 12 pays étaient gouvernés par Sungata. Voilà pourquoi il a appelé tous les 12 rois de l'empire mandé à Kurkanfuga, là où était écrite la charte des mandé. C'est-à-dire la constitution de l'empire mandé en 1236. Barakeleni, il a dit le barakelena. Fima la ne barakanoni vi, don soluta la wayalo. Barakononi vi, atuma dole, don solu wara balala. Mon père est griot, ma mère est griotte. Mes ancêtres sont des griots. Voilà pourquoi on est devenu griots de l'empire mandé pour toujours. Car cet instrument est créé par nos ancêtres et nos parents à l'époque aussi. La kora est devenue l'instrument magique de l'Afrique de l'Ouest. Même on peut dire au monde entier l'instrument magique. Cet instrument s'appelle la kora, K-O-R-A. Et moi, je m'appelle Djelimadi Kouyati. Écoutez la musique mandingue, écoutez la musique africaine. Il a dit à la vie, 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 il a Bima kapo kila dia bife sege babiko kuyete jaliko fo imae la zarama ya vena à l'époque quand j'avais 2 ans je voyais mon grand-père jouer cet instrument à l'époque je suis devenu amoureux. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à étudier à l'école. Parce que c'était mon droit, c'est la voie du droit des enfants, d'aller à l'école. Mais aussi mon grand-père me disait, il m'a dit, il faut aussi appliquer l'instrument la kora, parce que c'est ton culture. Car vous êtes les descendants de Bala Fasseg et Kouyaté. Qui ont créé cet instrument magique de l'Afrique de l'Ouest. Olukera tenni. Yo olukera tenni van. Olukera tenni. Olukera tenni. Mama di toma, aduwa di ngole, wolu kera tenne. Wolu kera tenne. Ajama di di ba fote javi, wolu kera tenne, duma kono. Thank you.
Premièrement, le morceau que je joue, c'est le troisième morceau, c'est le morceau du roi des Mandés, Soudiataki. À l'époque, quand il se prépare pour aller partir à la guerre, les griots sentent ce morceau. Quand on dit Ibarakalata, cela veut dire que le roi a pris l'arc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des armes, il n'y avait pas de fusils, c'est des l'arc qui faisaient la guerre.
munke sumunkara mogo jontilila sumunkara dibasi musodi jabi maka sumunkara mogo jon fana nyebi sumunkara maimuna di dunu batala sumunke mo go jonne di birasi sajo di mo sangum abarika Ça, c'est la peau du vache. La peau de vache. C'est pas aussi n'importe quel âge. C'est la vraie, une vache qui a un an et demi. On prend la peau, on fabrique ça avec le calabasse. Et ça, c'est une boîte de vin qui se trouve aussi chez nous en Casamance. Ça aussi, c'est la peau de vache aussi qu'on met ici pour fabriquer la cora. Et ça aussi, c'est le même bois que ça avec ça. Ça devait être tout le même sorte de bois. Et ça aussi, c'est fait par les forgerons chez nous qui fabriquent ça pour mettre ça à la cora aussi. Mais à l'époque, ce n'était pas l'épinaise qu'on faisait, c'était la corde. Mais avec comme le monde change et que quand le monde change, on s'améliore avec. Et voilà pourquoi. Et puis maintenant, on met des épinaises, etc. D'accord. Et les cordes, à l'époque aussi, c'était la peau de... la peau de gazelle. Vous connaissez la gazelle, la forêt de la gazelle? Voilà, c'était ça, on tue les gazelles, on prend la peau et on la fabrique à nos manières et on met ça à les cordes. Maintenant, le monde change et puis on prend ça. Mais jusqu'à présent, il y a des cordes qui sont tressées. C'est nous-mêmes qui fait ça. Sinon, ça ne te donne pas le son de la cora. Il y a des cordes qui sont là, le solo, et l'accompagnement et le basse. La cora, tout ça, c'est la guitare. Il y a guitare accompagnement, il y a solo, il y a guitare basse. Mais nous, on a tout ici. Oui. On a le solo, on a l'accompagnement, on a le basse. Voilà pourquoi la cora est devenue masique. C'est la voix, toi seul, tu peux jouer tous les trois instruments ici. Et voilà, la cora c'est 21 cordes. Ouais. Et moi j'ai fait 22. Parce que moi je joue aussi le jazz avec des grands musiciens comme dans des festivals. Et voilà, maintenant il faut changer. Il y a des mélodies et des nouvelles mélodies avec des nouveaux accords. Il faut changer l'accord pour pouvoir jouer. Lui, les musiciens peut-être connaissent ça. Et voilà pourquoi j'ai mis une autre corde. Pour pouvoir jouer avec n'importe quel instrument dans la voix. Mamarin bako sani kana fate turamu.
pourquoi on dit que la Torah est sacrée. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas un instrument des humains d'amour, c'était un instrument des diables. Et à l'époque, nos ancêtres, le roi à combattre, il était avec des diables, il a pris cet instrument pour donner ça à son griot. Voilà pourquoi c'est nous jusqu'à présent, quand on fabrique une Torah, il faut verser un sang. Cela veut dire tuer un mouton ou bien une chèvre pour faire le baptême de la Torah. Et il y a certaines heures aussi, il ne faut pas jeûner la Torah. À certaines heures, cela veut dire comme à 3h du matin, 4h du matin. C'est interdit, de jouer l'instrument à cette heure-là. Puisque sinon, ça peut créer des problèmes à toi-même si tu n'es pas très bien protégé par des ancêtres. Fade tu rama, bariso jamala tu rama. Kanam fade tu rama, bariso soala tu rama. Kanam fade tu rama. Moroi le defe. Ndiki liki moroi le defe. Tambai le defe. Faluma eba, jarate ama amore mozani mure jantumasi. Bamana faba komansa bamana jatra mangantegina kalajula sankoi tante ni ama s'appelle Apollo, Sumama. Ça
ça se ressemble un peu à la musique cubaine, mais c'est une musique mandingue aussi. Yes, mama, don't.